Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Salam, salam. Donc on est toujours en direct de la Mecque. Comme vous le voyez, il y a énormément de monde. Là je suis en mode Ahi Younes, Ahi Yacine. Faites pas attention à ma coupe. En fait quand je mets de l'eau et ça sèche, ça gonfle. Là on va tester le McDo à la Mecque. Voir si c'est bon. Tout est halal. Donc on va pouvoir manger des Big Mac, des hamburgers. J'ai la dalle. Ce matin j'ai mangé un fruit et une barre de protéines. Et là, je peux dire que j'ai vraiment faim. Donc, il y aura Myriam avec Yacine. On va commander le McDo, elle est juste en face. C'est parti. Donc là, on est dans une place avec Yacine. Explique un peu c'est quoi cette place. Il y a plein de restaurants ici. Il y a plein de restos. Là, c'est plus la catégorie indien. Regardez, il y a énormément de monde. Et le McDo, il est juste en face. Je m'emmène parce que toi, tu connais, toi. Ouais. Il y a une... Regarde, là où il y a la queue de ouf, c'est là-bas où il y a le McDo. Regardez, là, il y a, la queue... il y a une queue là-bas, là, parce qu'il y a le McDo. Il est, un peu... il est quelle heure, là? Il est 14h08. Du coup les gens... Et en France il est midi. Ouais, là il est midi. Et du coup les gens là ils mangent à cette heure là, non? Ouais, ils mangent à cette heure là et ils se posent... Les gens ils se posent dehors, hein. Ouais. Ils mangent par terre dehors. Ouais, parce que vous allez voir, on pourra pas manger au McDo, y a rien. On devra manger soit comme ça comme eux là, ou soit dans la chambre d'hôtel. Le McDo il est juste là. Il y a Myriam qui va nous rejoindre avec ses Air Force. T'es la seule à la Mecque qui a des Air Force, je crois. Regardez, le McDo il est là. Je sais vraiment pas ce que je vais prendre pour une fois que tout est... Myriam! Tout est halal. Je vais prendre un Big Mac. Quoi? Je rigole, mais tout est halal. Regardez les sandwichs, ils sont là. Moi, je sais pas ce que je vais prendre les frais, vraiment. Et en plus, ça se trouve. Il y a le grand chicken. Ça se trouve, à la Mecque, il y a des nouveautés. Bah, je pense qu'il y a des nouveautés. Regarde, il y a les nuggets du McDo. Il y a les Big Mac, Big Tasty. Oh là là, il y a des Deluxe. En vrai, je vais laisser ça me commander parce que lui, il connaît mieux. Hey, tu me prends pas de filet aux fiches. Hein. Tout ce qui est poisson, je veux pas. Un double? Non, 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 non. Moi j'aime mieux les Big Tasty, les trucs comme ça là, bien chicken, bien viande. Vas-y, ok. Ok. Ouais, c'est un petit jeune qui sert, machin. Eh, à ton avis, un double filet aux fiches ou alors un Big Mac? Non, prends un Big Mac. Double filet aux fiches, il y en a tout le temps en France. Ouais, mais... Ça, c'est un Big Mac. Au niveau des prix, ouais, il m'a commandé. One Big Tasty, double single. En plus, ici, un double ou un simple? Un simple, simple. Simple, which is? Yunes. Format? Yes. With one Big Mac. Format? Yes. Nuggets. How many guys is 6, 9, 20? 6. Ok. And là c'est le moment de Khalas. Il n'y a que des billets de 100 par contre. Fais-toi un câble, wesh. Que des billets de 100, c'est grave cher. Ça fait combien? Regardez, ça fait 162 et c'est divisé par 3,8. Vraiment, t'as sorti ton argent toi aussi? Tu Là il nous a donné notre ticket Myriam. On va récupérer la commande juste ici. Vous voyez? Là-bas tu commandes et là tu récupères ta commande. Ça nous a coûté combien Yacine? 162 divisé par 3,80, ça fait 42 euros à peu près. Ok, bon, on va voir à la maison la commande, on va récupérer ça là-bas et on va voir ça. À la maison, tu veux dire à l'hôtel? Quand je vous disais qu'on dirait pas, on est à la Mecque et à la Kaaba, regardez, on dirait on est en France. Tous les magasins. Il y a grave des magasins. Viens, on va rentrer dans celui-là, c'est celui-là. Yacine nous envoyait en mission. Là, c'est quoi là? C'est des parfums. Il nous envoyait en mission, Yacine lui a acheté de l'eau Evian française. Il faut qu'on rentre dans ce magasin. Viens, viens, c'est par là. Il faut qu'on rentre dans ce magasin. Là, c'est quoi là-bas? C'est d'autres trucs. Il y a des PS5 et tout, hein. Je vous mens même pas. Regardez, faut qu'on rentre dans ce magasin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vous mens pas, il y a vraiment des trucs électroniques ici, des PS5. Ouais, il y a des PS5, il y a tout. D'ailleurs, faut qu'on passe par ce magasin, on va tout droit. Suis-moi. Tiens-moi bien la main parce qu'il y a trop de gens ici. Voilà, on arrive à la fin du magasin et on va rentrer dans un autre magasin juste en face là. Vous allez voir. Vas-y, Myriam, passe. Salam alaikum. On descend. Là, on va donner à manger aux oiseaux, venez voir. T'achètes ça à des gens et genre ils veulent donner aux oiseaux. Wow. Check comme ça, elle est partout. Voilà, comme ça, wow. Les oiseaux ils vont manger, ils vont être musclés comme moi. Viens, viens. Oh, il est What? Et voilà, c'est le Abrage Hypermarket juste avant, on va y aller. Abrage Hypermarket. Abrage, Abrage. Il y a des pizzas, il y a plein de trucs. Yacine nous a demandé de l'eau française parce que. Ouais, il y a des pizzas là-bas, il y a des dates et tout. Le magasin, il est immense, c'est une dinguerie. Regardez les chips de chocolat qu'il y a, vous allez péter un câble. On est à la Mecque, hein. Regardez. Tout ça là, c'est que du chocolat. M&M's, Malteser, Snickers. C'est un truc de ouf. Par contre, les prix. Regarde, il y a marqué ici 16,95€, 16,95€, ça fait à peu près 4,50€, c'est un non, peu cher. Non, 16 riyal, ça fait 16 riyal. Regardez, en passant, il y a des iced tea de tous les goûts, fruits rouges. J'en prends Pourquoi on n'a pas ça en France? Il y a même des zéros. Ah, je prends lequel? Oh,
prends ice tea, fruits rouges. En vrai, il me donne. C'est bizarre. On en prend deux ? Un seul. Mission réussie, on a trouvé l'eau Evian pour Yacine. Non, prends les moyennes. Juste en face de toi, en bas. En face de toi, en bas. Plus en bas, voilà. On va lui prendre celle-là, Evian, et on peut aller manger. Je viens de recevoir les commandes. Franchement, ça va, ça a été rapide en vrai de vrai. On va commencer par les nuggets. On va les mettre juste là. Parce qu'à chaque fois, vous dites, ouais, les nuggets McDo, c'est un truc de ouf. On va voir ça tout de suite. Là, on a un premier McChicken. On a dit un simple pain, un big. On va le prendre comme ça. Oh, c'est le même pain que le menu McFirst en France, te rappelles ? Ouais. Tac, ça. Tiens, papa ou maman. On a pris plusieurs menus. Ensuite, on a les frites. Franchement, la frite, elle est super balèze. Emma, elle est super balèze. Baba, fais pas tout ça. Ouais, on va la mettre ici. Myriam, reste assis derrière. Myriam, tiens ta frite. Tu peux commencer à s'enfuir. Attends-nous. Là, on a le fameux Big Mac. Tout le monde en parle. Oh, il est fait à la perfection. T'as vu en France comment il est tordu rateria. Il est fait à la perfection. Je sais pas si c'est parce qu'on est à la mec. Mais il est fait à la perfection. Je serais en train de péter un câble. On a le Big Testy. Celui-là, il est big. Hein. Il est vraiment balèze au poids. Est-ce que lui, il est fait à la perfection? Ah non. Non, tu vois, celui-là, il est un peu tordu, mais il est tellement gros, Yacine, je te promets. Un camion. Il nous en a mis un en plus. Mais non, c'est toi, t'as commandé un Big Testy et un McChicken. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Bah, on pourra le partager, nous deux. Ouais, ils ont mis des sauces. Donc, les sauces d'ici, c'est quoi? Sauce barbecue McNuggets. Ça, c'est exprès pour les nuggets. Et après, c'est full ketchup. Mais Ram, ce que je te propose, c'est qu'on commence par les nuggets. Vas-y. Que ça dit les nuggets, c'est incroyable. Viens, on dit la vérité. De toute façon, on ne peut pas mentir, t'as vu où on est. On va tester avec la sauce aussi. C'est parti. Si vous voulez qu'on teste KFC, mettez un gros like. Il y a un KFC, il y a un Burger King aussi. Ouais, et c'est halal. Et c'est halal. Hop, tiens. De toute façon, on va salir, c'est sûr. Vas-y, on va avec la sauce. On goûte en même temps. Bismillah, 1, 2, 3, go. Incroyable. Ouais, non. Mais toi, tu dis c'est incroyable. Par rapport à ce que disent les gens dans les vidéos, genre les nuggets McDo, c'est les meilleurs. Non, c'est non. Pas un truc de ouf. Hein. Je mettrais 7 sur 10, mais vas-y, c'est bon quand même. Oui. Mais franchement, c'est bon, ça peut vraiment vous plaire. Ensuite, on va mettre un croc dans celui-là, le McChicken. Celui-là, il est simple. Je crois que je l'avais goûté en Turquie, on va voir s'il est plus bon. Allez, c'est parti. Coupe en deux. Mais non, c'est le mien. Comme ça, c'est le tien. T'as pris un Big Mac. Tu vas pas manger 2 hamburgers ? Si. Mais toi, là il est bon. Lui il a pas d'estomac, il s'arrête jamais. Est-ce qu'on a le même corps? Je t'arrête jamais. Est-ce qu'on a le même corps? Non. Ton corps ça fait ma jambe. Vas-y Myriam, teste le Big Mac. Là je lui mets 8 sur 10. Première fois que Myriam va tester un Big Mac. Comme ça première fois. Enfin, mets la boîte en dessous, mets la boîte en dessous. Bah faut que tu m'aides là, parce que je suis pas croquant de te mettre la boîte. Un bon Big Mac. Oh Myriam elle a mangé un Big Mac. Non, alors c'est bon ou pas? Attends, laisse-la bien sentir les saveurs. Qu'est-ce que t'en penses? Elle a rien à dire. C'est vraiment si incroyable que ça. C'est-à-dire quand les gens ils disent en France, il veut un Big Mac, c'est-à-dire c'est vraiment très très bon. Ouais, mais je pense pas que c'est le même qu'en France. Il doit être plus bon qu'en France. Moi aussi, je pense que cela, comme on est à la Mecque, ça doit être vraiment plus bon qu'en France. Maintenant, Myriam, ce que je te propose, c'est les frites. Parce que les frites de McDo, ils disent c'est les meilleures, genre. Ça, tu connais ça de façon? Non, moi je connais pas du tout. Elles sont pas molles, elles ont l'air bien, s'il vous plaît. Non, c'est vrai que les frites, c'est au-dessus. Hein. Ouais. C'est vrai que les frites, je mets au moins 9,5 sur 10, c'est vraiment super super bon. Tu mets 10 sur 10 toi? Franchement, je la comprends. Dernier. On va attaquer le big. Celui-là, faut être vraiment un hell-œuf pour le manger. Ouais, bah t'es encore des hell-œufs. Regarde, avec plein de salades. Ceux qui enlèvent la salade quand vous mangez les sandwichs, vous me dégoûtez ça. Avant, j'enlevais, maintenant, j'enlève plus. Il y a des tomates en plus, on laisse tout. S'il vous plaît. On va dire que c'est son préféré. Oh là là. Je le savais. Sakatilo m'a dit, waouh, tu peux pas dire de gros mots sinon il faut dire n'importe quoi. Il est vraiment extrêmement bon. Il y a bonne viande, du bon fromage. Et je comprenais quand le mec il disait fromage, c'est un fromage on dirait spécial. Il est tout blanc, mais franchement il est super bon. Donc pour nous, moi je mets 8,5 sur 10 pour McDo. Et toi tu mets combien? 10 sur 10. 10 sur 10, McDo de la Mecque, la famille, c'est validé. N'oubliez pas de liker si vous voulez qu'on fasse le KFC et le Burger King, ils sont juste à côté. De toute façon, même si vous ne likez pas, on va y aller. Hein, ouais. Allez, ciao.